Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le cinquième épisode de notre Nuzlocke Random sur Pokémon Rouge. Vous allez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve à Azurial, on s'était quitté la dernière fois après un petit montage d'entraînement, comme vous avez pu le voir, où l'équipe a été mise au niveau 20 dans les hautes herbes, quelque part à l'ouest de la ville. Alors avant de faire le point sur l'équipe, je rappelle que si vous voulez savoir comment la ROM a été randomisée, je vous renvoie à l'épisode 1 de la série et vous devrez avoir un lien vers le randomizer dans la description. Allez, on fait un petit point sur l'équipe et on se met en route puisque nous avons une arène à affronter aujourd'hui. Nous avons donc Pancake, notre Emolga qui est le starter que vous avez choisi au niveau 20 avec les mêmes attaques toujours quasiment puisqu'elle connaît éclair, vive attaque, reflet et frotte frimousse. Nous avons Chanel qui était mise au niveau 21 pour une bonne raison, vous allez voir. Parce que elle a pris un deuxième move! Charge et Vampy Baiser qu'elle a pris au niveau 21. En fait, comme j'en avais un peu marre de devoir utiliser tout le temps charge, j'ai été voir sur le net ce qu'elle pouvait apprendre. Et vous savez que certains moves de des générations futures ont été mis dans ce random, pas tous. Et il se trouve que la plupart des moves qu'elle apprenait entre charge et Vampy Baiser, ce sont uniquement des moves qui ne sont pas dans ce randomizer, et du coup le premier qu'elle avait c'était Vampivisé. Donc maintenant elle a un move pour taper et qui plus est c'est un stab, donc ça risque de faire de bons gros dégâts. Je rappelle, s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est le stab, c'est simplement quand un Pokémon utilise une attaque de son type, l'attaque inflige 50% de dégâts en plus. Ensuite nous avons le Pokémon préféré de tout le monde, celui qui m'a valu des commentaires très très trollesques et de tu vas te convertir à équipant, vas-y, je suis sûr que Babou il aime équipant. En gros ça a eu la réaction que j'attendais plus ou moins, en même temps je m'attendais pas à avoir un équipant, vous en doutez bien. Donc il est niveau 20 et il connaît Cruel, Brume, Vibraquois et Hydrocanon. Nous avons ensuite Vegan, le Philali, niveau 20. Qui connaît charge, feuille magique, tranche herbe et vive attaque. Ah oui, juste une petite mention, c'est vrai que je ne l'ai pas fait quand je l'ai capturé. Bah, apparemment, le nom vegan, vous l'avez très bien pris. Et vous vous doutez très bien que ce n'est pas une moquerie envers les gens qui sont vegan. Je veux dire, moi, je respecte complètement. Si vous pensez que c'est mieux pour vous, tant mieux. Je respecte votre choix, il n'y a aucun problème. Et enfin, nous avons Liberty, le Coréon de niveau 20, qui connaît choc mental, ligotage et rugissement. Bien. Alors, vous savez quoi, je vous propose de mettre Liberty devant parce qu'on l'avait pas vraiment vu. Et maintenant que Liberty est niveau 20, je pense qu'il peut combattre par lui-même. Et on va partir directement vers l'arène. On va y aller comme ça, en mode à la one again, parce qu'on est des ouf. Alors, bonjour. Ouais, bon, elle utilise des types eau, donc il faut plante ou électrique. Bonjour, vieux monsieur qui marche sur l'eau. Allez, c'est parti. Ah, pourquoi t'as une musique Team Rocket? D'accord, donc on a un combat contre un dresseur de l'arène, qui est un vieux, qui se fait passer pour Ondine, qui a le thème de la Team Rocket. Oh, salut Greffadé, comment que ça va? Allez, repos. On va spammer ligotage. Et ça qui est bien, c'est mécanique première génération. Bah, ligotage, ça bloque l'adversaire pour autant de tours que vous utilisez l'attaque. Ah merde. Non. Eh hey, oh. Bien, ça c'est mon Liberty. Ça c'est ma Liberty. Choc mental. Allez, continue, tu peux te le faire Liberty, je crois en toi. Je crois en toi mon joli, je crois en toi Liberty. 12. Allez. On y croit, allez, faudrait que ça dure 5 tours, ce serait bien. Ce serait bien. Allons, on prend le risque, on est des fous. Liberty! Allez, encore un coup. Liberty, mesdames et messieurs. Liberty qui vient de se faire un créfadé à coups de ligotage. Et qui a tenu à 5 points de vie. Ça, c'est du bon, ça. T'es tellement bon que Liberty monte niveau 21. Ambrilex. Ambrilex, c'est un travail pour Vegan. Allez, feuille magique. Waouh! Eh ben, ça commence très très fort, y a pas à dire. C'est un bon truc de ouf comme on les aime. Et on a battu... truc. Allez, on va mettre Pancake devant pour la suite. Liberty, tu vas te reposer à l'arrière, tu vas te reposer. Hein. Parce qu'après ce combat de ouf que t'as fait, tu le mérites bien. Ok, ah d'accord.
Je comprends même pourquoi Ondine avait le thème de la Team Rocket, puisque c'est un sbire de la Team Rocket qui a pris sa place. Cette randomisation des sprites, je vous jure. Alors, une exorciste. Ah, un pyroli. Eh ben, on va faire... On va le paralyser dans un premier temps. Bien. Flamèche, normalement, on devrait pouvoir bien le tenir. On a un bon spécial. Ça va. Allez, éclair. Morsure. Qui, normalement, doit avoir le type ténèbre dans cette version. Pas mal. Ok. Ouh, il va attaquer, ça va faire 15. On va switcher, on va envoyer... Ouais, on va envoyer Satan. Du coup, ça fait un peu moins mal. Et vibre, quoi. Et... BOUM! Bye bye, Pyroli. Parfait. Bon, par contre, l'équipe a pris un micro poil cher, mais genre comme ça. On va aller faire un petit retour au centre Pokémon. Effectivement, quel niveau potion, j'en suis au moins 14 potions. Ouais, parfait, bon, c'est tout à fait gérable. C'est tout à fait gérable, les gens. C'est tout à fait gérable. Allez. Parfait. Qui on va mettre devant pour la suite? Qui est devant? Ouais, Pancake, ça me va. Pancake, ça me va. Bon. Allez, on va aller battre Ondine qui a rejoint la Team Rocket. Et qui, en plus de ça, a l'air d'être devenu un homme. Je respecte le choix, bien sûr. On pose juste comme ça vite fait pour le screen. Et on va sauvegarder notre partie, car je rappelle que vous seul êtes en mesure d'empêcher la perte de vos données. Donc pensez à sauvegarder votre partie des quelques importants à se redire, comme par exemple un combat contre un champion d'arène. T'es nouveau ici! Les dresseurs qui veulent devenir pro doivent avoir une bonne stratégie avec les Pokémon. Quelle est ton approche quand tu attrapes des Pokémon? Moi? Oh, je donne tout ce que j'ai avec mes Pokémon de type O. Allez. Let's go. D'ailleurs, en parlant de type O, à votre santé. Alors, donc, Ondine est un dompteur. Et elle envoie un métamorphe. Ça va. Ça aurait pu être pire. Allez, éclair. Pas mal. What? Métamorphe qui connaît autre chose que morphing sans se transformer. What the fuck? Et pourquoi j'ai fait ces gestes avec mes mains? Mais the fuck, quoi? Bon, bah, kill gratuit, je prends, hein. Je prends. Et ensuite... Ah, on va prendre tellement cher. Ouh, Rigidigas. Qui a la meilleure défense? Je sens que c'est Satan qui a la meilleure défense. Chanel, t'as combien? Mais non, je voulais regarder les stats, putain. Bon. 33 sur Chanel. 31 pour Pancake. Ça, c'est ce que j'aime pas en première génération. Tu peux pas regarder les stats de tes Pokémon pour faire le bon switch au bon moment. Satan à 53. J'ai encore devant envoyer Satan, moi. Vegan à 60. Vegan pourrait être le bon choix ici. Et Liberty doit à 32. Bon, ils ont tous au moins 30. Vous savez quoi, maintenant que Chanel est sur le terrain, j'ai envie qu'elle utilise au moins Vampy Baiser. Ok, défense plus. Le type fait doit être considéré comme spécial, je pense. Alors rappelez-vous, si dans les générations 1, 2, 3, vous voulez connaître, enfin, vous voulez savoir quel type est physique, quel type est spécial, rappelez-vous que les types spéciaux, ce sont toutes les évolutions d'Evoli jusqu'à la 4ème génération, plus le type dragon. C'est-à-dire en gros, eau, feu, électrique, psy, ténèbres, plante, glace, dragon, ce sont tous les types spéciaux, tout le reste est physique. Bon, et ben, le défense plus me permet d'avoir un switch tranquille vers vegan. Ultima Washi. Ah, oh, putain de merde! Et c'est la meilleure défense de l'équipe qui prend ça!
Ultima Washi, c'est une précision de merde. On va essayer de viser un miss. J'ai pas envie de perdre Vegan. Onde folie. Je te chie dans la bouche. Bon, Vegan. On va tenter un trancherbe. Vegan, s'il te plaît. C'est pas le moment de faire de la merde, Vegan. Allez, 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 Vegan. Vegan. Alors on a vu que l'Ultima Washi faisait 46. Je le remets à fond pour pouvoir en prendre un. Bon, il a l'air de vouloir spammer Onde Folie, moi ça me va. Ok, Ultima Washi. Allez, Vegan. Allez, un bon coup critique, parce que normalement ça devrait être un critique. Merci le mécanisme de la première génération. Putain, c'est... Oh, fucking shit. Le coup critique qui fait à peine 25%. Oh, bordel de merde. Bon, limonade time. Je ne perdrai pas Vegan comme ça. Oh punaise. Pourquoi j'ai fait feuille magique? Bon Vegan, tu... Allez. Je comprends pas pourquoi il spam Onde Folie alors que je... Putain de... Oh putain, oh putain, 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 12. Ok. Vegan, c'est le moment de... Bon, de toute façon, tu me diras, même avec un critique, on fait que 25%. Ah... Je suis obligé de claquer ma guérison. Si je veux que Vegan reste en vie. En fait, je crois que j'aurais dû laisser Pancake paralyser, putain. Il en a pas loupé un seul. Attends, il en a que 5, il l'a utilisé 4 fois. Satan devrait pouvoir en tenir un. Si Vegan en tient un relativement bien, Satan devrait pouvoir le tenir aussi. Oh, putain, point éclair! Là, je suis confus, les gens. Vous savez pourquoi? Vous allez rire. Hein. D'un côté, je suis déçu d'avoir perdu un Pokémon, mais de l'autre, je perds Bekipan. Est-ce que ça compense? Peut-être. Bon. Ben, rip Bekipan. Ah, ça me fait chier. Pancake, je vais avoir besoin de toi. Paralyse-moi ça. Allez, sois paralysé que je... Ok, point clair. Tu peux le tenir, c'est pas stabé. 16. Le problème, c'est que mes objets de soins soignent pas assez. On va tabler sur une paralysie pour pouvoir taper, hein. Très bien. Allez, encore un coup. Allez, allez. Encore un coup, on est bon. Si ça fait pas de coup critique... Oh putain, on revient de loin, là, les gens. On revient de très très loin. Oh, le ré... Eh, je vous l'avais dit ou je vous l'avais pas dit que Regigigas se répétait? Mais attends, 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 attends. Ça veut dire qu'on peut capturer Regigigas dans ce random? Ça veut dire qu'on peut le capturer. Oh putain, je sens que je vais pas me gêner si je peux le capturer. Waouh, t'es trop fort. Ok. Tu peux avoir le badge cascade pour m'avoir battu. Et de 2. Bon, ça a été dans une... certaine douleur. Parce que bon... J'ai dit, je perds un Pokémon, mais je perds le Pokémon que j'aime le moins de tout le Pokédex. Allez, on va dire, vous savez quoi? Je suis quand même un petit peu déçu de l'avoir perdu. Quand même, quand même. Il nous a carry jusque-là, maintenant, c'est à quelqu'un d'autre de le faire. Je pense que ce sera Vegan qui va nous carry. La page cascade permet à tous les Pokémon de niveau 30 ou moins de t'obéir. Ceci inclut même les Pokémon échangés. Et en plus de ça, tu peux utiliser coupe à tout moment. Tu peux couper les petits buissons pour ouvrir de nouveaux chemins. Et tu peux aussi avoir ma CT préférée, donc CT 11 qui normalement contient Bulldo. Alors, qu'est-ce que ça contient en vrai? Ça contient Vampivisé. Qui peut l'apprendre? Chanel, mais elle l'a déjà appris. Regardez quand même dans quel état l'équipe est à la fin de l'arène.
Et ça, vous voyez, ce sont les trois meilleurs Pokémon qui y ont combattu. Allez. J'espère simplement qu'on va pas se refaire à un autre Regigigas parce qu'il est capable de mettre fin au Nuzlocke. Hein. Je vais d'abord passer par la case boutique pour acheter une tonne de potions. Genre en acheter une dizaine en plus. Je vais acheter 6 Pokéballs, je crois que j'en ai 24. Voilà. Et je vais acheter 3 repousses. Ça pourrait être pas mal. Mais bon, on ne devrait pas en avoir besoin par la suite. Bon, bah il va être temps d'aller déposer la dépouille de Satan au PC. Je peux pas m'empêcher d'avoir un petit sourire qui se dessine. Je sais, c'est moche pour un Pokémon qu'on a perdu, mais... Bon, allez. Contrairement aux Nuzlocke sur bleu, je vais pas les relâcher. Je vais les mettre dans la dernière boîte du PC. C'est-à-dire la boîte 12. La boîte 12 sera la boîte des morts. Allez, on va regarder une dernière fois la fiche de Satan. Que ce soit un Pokémon que j'apprécie ou pas, je veux toujours faire ça, regarder une dernière fois sa fiche, avant de le déposer dans sa dernière demeure. Satan, on n'est pas potes, toi et moi. C'est clair. Mais, je pense que si t'avais pas été là, je serais peut-être mort contre Pierre. Et tu m'as carré sur certains trucs, donc même, comme j'ai dit, même si on n'est pas potes, merci quand même. Ça change pas vraiment mon opinion de toi, mais ça aura au moins permis aux gens qui m'ont regardé de rigoler un bon coup et de me troller. J'ai envie de dire c'est tout bénef. Allez. Adios, mon grand. Bien sûr, on va changer de boîte pour éviter que les nouveaux Pokémon qu'on capturera par la suite... N'aille dans la boîte des morts. Voilà. On va sonner l'équipe. Alors, est-ce qu'on... Vous savez quoi? Ah, est-ce qu'on a le temps d'aller jusqu'à Léo? Parce que quand même... Vous savez ce que je vous propose? On va aller faire le combat contre le rival. Et on s'arrêtera après. Ce sera un épisode un peu plus court. Et comme ça, au moins, on pourra repartir, entre guillemets, sur de bonnes bases. Et on va se faire tous les dresseurs. Enfin... tous les dresseurs, ou presque. Parce que oui, on m'a demandé si je comptais vous montrer le glitch pour avoir Mew. Et j'étais pas sûr, je dis peut-être, ben oui, peut-être, ben que non. Ben je pense que je vais le faire, parce que ça permettra, même si c'est dans un randomizer, ça permettra de vous montrer ce que ça. Alors, est-ce que ça va faire planter le jeu? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a un dresseur là-haut que je n'affronterai pas, simplement pour pouvoir vous montrer le glitch. Allez. On va affronter Pouette. Alors Pouette, il avait la voix de François Hollande, si je me souviens bien. Salut, Babou. Tu as toujours du mal de ton côté. Moi, je m'en sors très bien. J'ai attrapé tout un tas de Pokémon super forts et super intelligents. En fait, pas comme moi. Allez, montre-moi ce que tu as attrapé, Babou. Bon. En espérant qu'il n'ait pas de Regigigas lui aussi. Ok, ça c'est gérable. C'est ouvrifière. Je vais envoyer Chanel. Parce que Bangai est passé parce que je sais que ils a. Oh. Ok, vampi baiser. Vampi baiser, c'est ce que je veux utiliser. Alors la meilleure technique que je connais pour contrer patience, c'est de lancer des Pokéballs. Merde, ça pète pas un tour. Vous savez quoi? En fait, j'aurais pu en profiter pour caser des reflets avec Pancake. Au pire, Liberty vient par là. On va réduire un petit peu son attaque. Voilà. Parce que 2 fois 0, dernière nouvelle, ça fait 0. Bah tiens, tant que t'es là, Liberty, choc mental. Oh, joli! Joli! Ah, tu rocks, Liberty. Pancake niveau 21. Ensuite, Paras. Qui peut gérer Paras? Chanel peut le gérer, les autres ont rien de super efficace contre... Enfin, il y a peut-être un move de type insecte, je sais pas. Allez, Vampi baiser. Pas mal.
N'empêche, c'est quand même moche qu'il arrive au rival, il avait un parasect au premier combat, il a plus qu'un paras. Nous on est toujours là à trouver le moyen, à vouloir trouver le moyen de faire évoluer le Pokémon, lui il a trouvé le moyen de les faire dévoluer. Je sais pas si ça existe, mais il les a fait dévoluer. Ensuite, Mushana. Ça c'est un travail pour Vegan. Ouais, je pense que c'est un travail pour Vegan. Trancherbe. Qui t'a frappé autant infliger des coups critiques. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Pas mal. Bon, tu me tends que ça te rafalcisse sans problème, mon grand. Coup critique qui fait 26. Bon. Ça devrait pas poser trop de problèmes. Hypnose. On va switcher. Liberty vient par là. Je pense que le seul move offensif qu'il a, c'est Carfalpsy et Liberty peut le tanker. Ouais, allez. Allez, ligotage. On va le finir avec la technique de pute de la première génération. Ouais, non, je pense que comme les combats importants comme les champions d'arène, les rivaux, on n'accélère pas. Et enfin, un deuxième ouvrifère. Très bien. Niveau 17. Choc mental, on avait vu ce que ça a fait sur ce niveau 18. Pas de surprise, ce sont les niveaux 17. Ça le met KO en un coup. Et là, choc mental, il te met KO en un coup. Ah, très bien. Eh, elle a assuré ou elle a pas assuré, Liberty? Allez. Et tu sais quoi? J'étais chez Léo et il m'a montré sa collection de Pokémon rares. J'ai tout un tas de nouvelles pages sur mon Pokédex, mais attention, j'ai beaucoup de Pokémon de type normal. De toute façon, Léo, c'est un Pokémaniaque célèbre dans le monde entier. Il a inventé le système de stockage des Pokémon sur PC. Et bon, puisqu'il utilise son système, bah, va lui dire merci. Bon, moi j'y vais. A plus, minable. Allez, c'est ça, casse-toi. Alors, on va faire, comme je l'ai dit, on va soigner nos Pokémon, on va s'arrêter là, mais avant ça, je me dois de regarder une chose par curiosité pure et simple. Où peut-on capturer Régigigas? Parce que bon, si je peux avoir ce monstre dans mon équipe, je crois qu'il n'y a plus aucun intérêt à regarder le Nuzlocke, mais juste curiosité scientifique. Alors, Régigigas, tu te caches où? T'es dehors tant qu'on y est. Donc on va regarder les légendaires. Créfolet. Ouais, Créfolet, tu te caches loin. Attends, les autres, je crois que j'avais pas passé. Si, voilà, je l'ai passé là. Créfadet. Hey, Créfadet près de Carmin-sur-Mer, on a une chance. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant qu'on pourrait regarder? Oh oh, tiens, on avait regardé la zone de oh oh. Ok, donc apparemment, le truc à côté d'Argenta, c'est la cave Topiqueur. Oh oh, dans la cave Topiqueur. Oh putain, ce serait bon ça. Mais bon, Régigigas, tu es où? Régigigas. J'ai pas rêvé, j'ai vu un Régigigas à l'écran. Je l'ai loupé du coup. Wait, Régigigas. Il est où? Il est où? Régigigas, 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 reviens parmi les... Attends. Tu viens de dire qu'on a vu un Pokémon qui n'a pas été enregistré dans notre Pokédex? C'est quoi cette blague? Attends. Régigigas, il est où? Eh oh, 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 attends, tu me la fais pas, moi je veux mon Régigigas, bordel. Il est où? Hop, on va les passer un par un, des fois que je les zappe, mais... Ah non, parce que là, je le veux, merde. Enfin, au moins savoir où j'ai une chance d'en voir. Allez, Régigigas, Régigigas. On n'a pas passé, non, ça c'est Midorino. Allez. Allez. Non? Tu veux pas? Tu veux pas coopérer et me dire où je peux trouver Régigigas? Eh ben, tu vas aller te faire voir, écoute, hein. Bon, bah du coup, nous les gens, on va se quitter ici pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Pokémon Rouge. J'espère que ça vous a plu. Quel que soit votre avis, n'hésitez pas à me le dire en cliquant sur l'un des deux pouces en bas de la vidéo, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager la vidéo ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant,
Enfin, ce qui m'a déjà fait. N'hésitez pas à parler à la chaîne autour de vous si vous ressentez tout ça, vous le savez. Et donc, dans la suite de nos aventures, on va aller voir Léo et probablement faire le chemin jusqu'à Carmin-sur-Mer. Pendant tout ça, moi je vous remercie une fois de votre soutien, ne changez pas, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Oui!